Non, vous ne rêvez pas, ceci est bien une ZX. Cette voiture à l'allure banale et passe-partout dans sa version familiale s'est transformée en très beau coupé sportif en perdant deux de ses portes. Et n'hésitons pas à le dire, la ZX 16V est désormais la plus belle voiture de la gamme actuelle des Citroën, à moins que vous ne soyez un fan de la BX diesel. Enfin, passons. Superbe dans sa couleur rouge, son béquet et ses jupettes, l'intérieur, déjà réussi dans la version 5 portes, est agrémenté de cuir noir en option, ce qui lui donne un côté très select. Pas de surprise, côté équipement, l'essentiel y est. Pour ce qui est de la cavalerie, on n'a pas lésiné. C'est un nouveau moteur issu du 4 cylindres 2 litres de la XM, doté d'une culasse à 16 soupapes et d'une admission variable pour améliorer la souplesse à bas régime. Il développe 155 chevaux, monte à 220 km/h et met 8 secondes et demie pour atteindre les 100 km/h. Des performances qui la placent d'emblée au top de sa catégorie, aux côtés des Peugeot 309 GTI et Renault 19 16S. D'autant que la ZX 16V est bien entendu équipée d'un train arrière autodirectionnel, système qui braque légèrement les roues arrière en virage, améliorant ainsi tenue de route et sécurité. Le X est son prix, environ 140 000 francs, beaucoup plus élevé que la Golf, la 309 et la R19. Sachez enfin que la plupart des versions 5 portes de la ZX sont aussi déclinées en 3 portes. Cela dit, cette voiture, vous la connaissez déjà et depuis longtemps, puisqu'elle ressemble fort à la ZX Rally Raid. La 3 portes, qui serait donc une version civilisée de la bête de course, devrait donner un coup de boost à Citroën qui en a bien besoin.